Juste avant d'intervenir, nous allons passer la parole au représentant du ministère de la Culture, M. Alain Loiseau, ministère de la Culture qui nous a beaucoup aidés pour l'organisation de ces deux journées de symposium. Merci. Bonjour à tous. Oui, le ministère de la Culture s'est associé à cette initiative, évidemment. Vous le savez, le ministère s'intéresse à la recherche en musique depuis de très nombreuses années, avec un essor particulier au début des années 80. Récemment, nous avons, avec les sociétés savantes, refondé un mode de travail dont nous sommes assez heureux, qui repose sur une aide régulière et sur, le cas échéant, des aides au projet chaque année. Et en voilà un pour nous, ce symposium qui a une importance toute particulière. Alors, cette aide à la recherche, évidemment, le navire amiral pour le ministère de la Culture en matière de musique, c'est évidemment l'IRCAM. Mais ça n'est pas évidemment la seule chose. Vous connaissez tous le réseau que nous aidons des centres nationaux de création musicale, qui sont aujourd'hui au nombre de 8. Parmi les projets musiques aidés au titre de la convention que nous avons avec le CNRS, c'est les projets musicaux qui se taille la part du lion, et j'en suis heureux pour la musique et pour vous tous. Aujourd'hui, un mouvement de développement se fait jour avec l'introduction du référentiel LMD dans l'enseignement supérieur de la musique, qui doit nous interroger sur l'avenir de la lettre D. La recherche est évidemment en mutation avec des nouveaux types de recherche qui émergent, que sont pour aller vite, ce que certains appellent des thèses d'artistes, sujets sur lesquels il faut sans doute réfléchir encore pour donner un cadre. En tout cas, dans tout ça, ces sociétés musicales qui viennent d'un mouvement né au XVIIIe siècle, un peu des Lumières, sont toujours d'une très grande actualité, en ce qu'elles réunissent à la fois des chercheurs, et il y en a de haut niveau qui sont inscrits à votre symposium, et on s'en réjouit, réunis à la fois donc des chercheurs, des amateurs, des érudits de tous horizons. Elles sont donc le lieu de l'échange, elles sont le lieu de l'organisation de ces mutations, de leur prise en compte, et en particulier donc réunir un symposium qui met en présence les quatre grandes sociétés savantes françaises, en tout cas celles que le ministère de la Culture aide, montre là-dedans une direction intéressante. Et nous souhaitons que cette initiative d'aujourd'hui marque un début, et que ce début se poursuive par des travaux sur la durée, marque donc une continuité. En tout cas, je tiens à dire que nous allons observer avec très grand intérêt ce qui se passe ici aujourd'hui et ce qui se passera demain. Malheureusement, j'ai pour ma part un certain nombre d'obligations dans ma matinée qui font que je ne vais pas pouvoir rester parmi nous, mais des représentants des services de la Direction générale de la création artistique, la mission de la recherche, ou la délégation à la musique que j'anime, seront présents sur la durée du symposium, aujourd'hui et demain, et j'aurai à cœur de recueillir le récit de ce qui se sera passé pendant ces deux jours. Voilà,
Je vous souhaite donc un bon travail. Il m'est agréable de vous dire que notre attachement et notre aide vous est acquise. Et donc, encore une fois, bon travail et bravo pour cette initiative. Merci.